Bonjour et bienvenue sur DIY IDs partie française. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette petite étoile. Donc bien sûr, on a différentes variantes, différentes possibilités. Et en fait, on va se servir donc, de ce petit outil qui va être très pratique dans l'élaboration de ces étoiles. Et ensuite, bien sûr, on va avoir besoin d'une pelote de laine. Donc là, on a notre variante, c'est un petit peu plus, l'étoile est un petit peu plus grosse. Donc voilà, je commence. Donc on fait comme ceci, on passe, hop, et on le passe dessous. Hop, on le refait une deuxième. Et on passe dessous, et hop, on passe, et voilà. Donc en fait, j'en ai six petits nœuds au début. Je recommence, je ressors tout. Et j'en garde un, hop, tap, tap. Voilà, donc je ressors tout jusqu'à la dernière et on recommence. Hop. Donc voilà. Donc voilà un petit peu ce que l'on obtient. Donc là, on essaie de tirer juste ici. Et en fait, ça va faire le centre de l'étoile. Là, hop, on pose ça comme ça. Oups. On tire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, on prend comme ça. Hop. 2, 3. Et hop. Là, je fais. Et là, je plante bien là. Je prends le petit bout de fil là. Hop, hop, hop. Et ça marche vraiment bien. Donc voilà, donc là je commence, j'ai 6 étapes, là, donc là c'est bien noué. Donc là j'en commence, on fait un autre et on va faire à peu près la même chose que au centre. Donc hop, j'en fais un, deux, un troisième. Et j'en fais encore 3 autres comme ça. Donc voilà. Là, on a nos autres petites parties et voilà. Donc voilà, donc là j'ai quasiment fini.
Voilà, on fait à chaque fois, on fait trois petits nœuds, trois petits nœuds. En fait, voilà comment ça marche, hein. Voilà, il y a un petit espace d'air, on va dire, un petit espace d'air. Et donc là, maintenant, on va faire un autre tour. Et maintenant, c'est parti. On va commencer donc la troisième tour. Donc là, on va se servir des espaces d'air, bien sûr. Hop. Et donc maintenant, on fait deux petites étapes comme ça. Voilà. Deux étapes. Et trois espaces d'or. 1, 2, 3. Et hop, on revient vers le centre. 1, 2. 1. Et c'est parti. Donc voilà. Donc là, voilà, c'était juste tout ça dans un seul petit trou d'air qu'on avait laissé. Et maintenant, je vais m'attaquer à l'autre qui est juste là. Et on va commencer à partir de là. On prend ça. Voilà, on passe. Voilà, c'est les étapes juste là. On en est là. Et donc après, il nous restera ça à faire. Et ce sera bon. Deux petites étapes comme ça, hop, la boucle. Et hop, comme ceci. Et là, on revient juste ici. Voilà. Donc c'est une tâche quand même assez délicate, hein. Donc là, on va là. Voilà, donc faut bien faire attention. Donc voilà. Voilà, donc là, j'ai fait les pointes de l'étoile. Donc voilà, on utilise à chaque fois les petits espaces d'air qu'on laisse. Donc voilà, c'est vraiment cool, sympa. Ça fait vraiment un résultat très joli. Donc maintenant, je termine l'étoile avec la dernière partie là. Voilà, donc il faut bien fermer tout ça maintenant. Voilà. Voilà, à peu près on peut faire un petit nœud sur l'arrière, on peut trouver quelque chose, on peut mettre un point de colle, peut-être essayer. Voilà. Les plusieurs possibilités. Donc voilà, l'étoile est terminée. Donc je vous dis à une prochaine. Et puis là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut!